réveil pour aller vers des choses que le monde ne disait que tu ne pourras jamais avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Pardon, Bisset. Allô, allô. Nous sommes dans la convention. Alléluia. Amen. Nous avons suivi la parole, les paroles. Et notre Seigneur nous a tellement parlé du temps. Voilà le temps que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. On n'attend pas tellement. Elle a dit des choses, ils ont dit des choses. Elle a dit que tu peux t'engager aujourd'hui à être un instrument. Tu peux dire que tu veux que Dieu reprenne ta destinée entre les mains parce que tu as pensé que tu voulais conduire ta vie. C'est-à-dire que tu étais le conducteur de ta vie. Mais il te dit aujourd'hui que non. En réalité, c'est lui qui prend le projet. Et que même si tu prenais un chemin, à l'arrivée, lui va te répondre. C'est-à-dire que toi, tu prends un chemin avec ton calcul, mais Dieu te répond. Et apprends pas forcément ce que nous attendons. Alléluia. Quelle est l'occasion à tous ceux qui veulent se reconcilier, renouer, avoir des relations. Parce qu'en réalité, Dieu t'a créé pour toi. Alléluia. Et là, si on a pas la relation avec Dieu, il y a un problème. Amen. 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 Et tu parles de mains. Et chanter. Et pendant que je veux chanter, tu peux t'avancer. N'aie pas honte. Alléluia. Amen. N'aie pas honte. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. Amen. Tu n'es pas venu ici pour où? Quelqu'un. Tu es venu ici pour toi. Et toi, tu sais comment tu brûles là dans ton cœur. Et tous les problèmes que tu as. Alléluia. Amen. Le temps, le temps, le temps, c'est un alibi. Le temps, le temps, le temps, une denrée. Le temps, le temps, le temps, qui nous le donne. Si c'est vrai, nous verrons le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, c'est un alibi. Au semeur, tu es celui Seigneur qui produit le vouloir et le faire. Tu es le Dieu qui est le maître des circonstances et des événements. Ils ont vu leur vie, tellement de circonstances ratées, tellement d'événements malheureux, tellement de projets inaboutis. Mais toi, dans ta parole, tu as dit que tu sais les projets que tu as formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance. C'est cette espérance et cet avenir qui sont venus chercher ici devant toi. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, je te les remets comme à mes esprits.
afin qu'à partir de ce jour, tu impactes en eux le désir, l'envie et la volonté de te suivre. Amen. Que tu leur donnes, Seigneur, l'empressement de connaître ta parole. Que tu leur donnes, Seigneur, l'empressement d'être des hommes et des femmes qui au matin se tournent vers toi, au coucher se tournent vers toi et en tout circonstance se tournent vers toi. Amen. Que tu leur révèles comment ils peuvent par intelligence servir ta cause. Qu'est-ce que ce soit dans des grands desseins ou dans des choses courantes. Partout où ils feront un geste pour ta gloire et pour ton honneur, tu leur rendras cela à justice. Amen. Seigneur, ne regarde pas leur péché, ne regarde pas leur défaillance, car ton Fils Jésus est mort sur la croix afin qu'il soit apte à se présenter au devant de toi. Regarde le sang qui est à côté, qui a coulé à cause de ton Fils Jésus et accepte-les maintenant comme ceux pour qui tu seras leur bouclier, leur haute retraite, leur guide. Tu combattras contre leurs ennemis connus, inconnus, visibles et invisibles, et tu anéantiras, Seigneur Dieu tout puissant, tout ce qui n'est pas de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Motivation, quelle était votre motivation? On vous a vu se lever. Est-ce qu'on peut savoir la motivation, votre motivation à pouvoir vous lever à la suite de ce message? Pour être vraiment très clair et très simple, il faut dire que les choses spirituelles sont des choses qu'on ne peut pas justifier par le verbe. Les mots ne suffisent pas à traduire ce que nous ressentons spirituellement, qui motive qu'on se lève pour venir vers l'avant. Mais il n'y a que, pour que tout le monde comprenne quand même, il n'y a que vous recevez l'appel de l'Esprit Saint dans votre cœur via le message que délivre un de ses serviteurs, comme la servante ce matin. Son message m'a happé, son message m'a pris dans l'esprit et j'ai senti l'appel de Dieu par justement son Esprit Saint. C'est pour ça que je me suis levé. C'est vrai, vous voyez, je cherche mes mots parce que c'est des choses qui se passent dans une autre dimension où le verbe et le logos n'ont pas trop leur place. Voilà. Nous vous remercions. Merci, je vous en prie.